Nouvelle étape dans la route des États en 2018, toujours avec nos partenaires Dynavena et Green Equine, les transports Green Equine. On devrait aller au Sénégal finalement, parce que ici il fait froid et puis on est tout blanc. Alors quel est le raid dans Valérie qui se cache évidemment là, sont revenus tout bronzés. Donc bref, trêve de plaisanterie, ici Kingfisher, le nouvel étalon du Haras, du Mont Goubert, avec Claude Guégan et Hugues Rousseau. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement ce nouvel étalon? S'en charger. Claude. Claude, allez, Claude. Kingfisher. Parce que Kingfisher, pour nous, c'est une marque de bière, c'est une compagnie aérienne indienne aussi, c'est un groupe financier anglais. Mais Kingfisher, là, le fils de Galéo, c'est quoi? Alors, pour nous, c'est notre nouvel étalon pour 2018. Donc, un fils de Galéo qui arrive cette année pour la première année de monte. Un cheval qu'on a rentré donc, tout récemment, avec une, sans doute une vocation obstacle pour les juments à venir. Donc c'est un magnifique cheval, un excellent marcheur. Il a de l'amplitude quand un cheval qui a beaucoup d'amplitude, qui a d'excellents rayons, un cheval qui est très bien dans sa tête et qui devrait, donc, je pense, satisfaire un grand nombre d'éleveurs. Merci Claude. À combien fait-il la monte? Le cheval donc, fait la monte à 2 500 € poulain vivant. Sachant qu'on oriente le cheval vers une vocation obstacle, on a décidé de mettre en place un système où le prix des pouliches est minoré. Il sera à 1 500 € poulain vivant. Par la même occasion, on a lancé une syndication qui est en train de se terminer sur ce cheval, qui a été, pour laquelle on a été fortement sollicité, donc au prix de 5 000 € la part, de l'endroit 2, ça y est, de premières années. D'accord, donc avis aux derniers investisseurs. Attention, la syndication va se boucler. Il y en a quelques-unes. Va se boucler bientôt. Merci beaucoup, Claude. C'était Kingfisher au Haras du Mont Goubert avec toujours nos partenaires Dynavena et Green Equine.